Ok, on était... On était ici. Alors, j'essaie de me souvenir la semaine dernière. Donc, on avait tout visité dehors. On n'avait pas visité à l'intérieur. Alors, cet ascenseur monte jusqu'à la capitale. Mais là, il est en panne. La personne fait de son mieux pour mettre à l'aise les gens qui se sont retrouvés bloqués. Ouais, 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 je vais pas pouvoir rentrer ce soir. Je crois qu'il reste de la pizza froide dans le tas d'or, si tu as faim. Ah, dans le tas d'or, parce que c'est un dragon. Salut toi. Bon. En tant que blob, je suis choqué. Ok. Et merci, Yukosin. Merci beaucoup pour les 1000 bits. Merci à toi. Merci beaucoup. Et merci à Doug Wilson pour le prime des 3 mois. Merci à toi, Doug. Merci beaucoup et bienvenue, tout le monde. Alors. Salut, toi. C'est les doigts. C'est les doigts de Elden Ring. Pas Zouzou. Oui, on sait, l'ascenseur de la ville ne fonctionne pas. À cause de cet incident, les chambres sont à un tarif réduit. C'est 200 PO la chambre. Oh, c'est un hôtel de charme ici ou quoi? Faites-nous savoir si vous changez d'avis. Ouais, ça va pas ou quoi? 200 balles. Il y a une inscription au pied de la fontaine. Fontaine Mémorial Royal. Ah oui, c'est vrai que c'est Métaton. C'est Métaton. Et d'ailleurs, je me suis souvenu, c'est pas Métaton, c'est Métaton. Je vais pas... Désolé, c'est contraire au règlement de parler aux clients qui n'ont rien acheté, hein. Je vais te frapper. Ah non. Oublie pas que t'es en run pacifiste, mec. Oublie pas que t'es en run pacifiste. Coulos. Soigne 40 PV pour les héros, attaque plus. Soigne 60 PV sans commentaire, steak en forme de tête de Métaton. Mais il va... Mais ça coûte trop cher! Bon, je vais commander le truc à 60 PO, mais juste pour pouvoir lui parler. Hein. Tu fais trop flipper! Quoi? Pourquoi t'essayes de taper la discuter avec moi? Je vais avoir des ennuis si je suis trop amical avec les clients. Désolé. Et donc, je voulais devenir acteur. Ok, en fait, t'es trop cool. Alors, conseil sur la vie. Je vais lui demander des conseils sur la vie. Je commence à me faire un vieux, tu sais. Alors, laisse-moi te donner quelques conseils, mon petit pote. C'est une clope ou un pétard, mec? T'es défoncé au boulot? T'as encore plein de temps devant toi. Ne deviens pas comme moi. J'ai 19 ans et j'ai déjà fichu ma vie en l'air. Ok. Conseil en amour, mec? Écoute, je t'aime bien, mon petit pote. Alors, je vais t'épargner pas mal d'ennuis. Ne jamais interagir avec les gens attirants. À moins que tu sois l'un d'entre eux, ils vont juste profiter de toi. Comme la fois où ces deux nanas m'ont demandé de leur chourer des glamburgers. Et où moi, tel l'ado naïf que j'étais, j'ai mordu à l'hameçon. Mauvaise idée. Ok, mec. C'est un incel ou quoi? Je suis allé dans la ruelle voir ces deux demoiselles pour tenter ma chance, quoi. Mon boss m'a vu et m'a demandé ce que je faisais. J'étais tellement paniqué que les hamburgers qui étaient dans mes poches sont tombés par terre. Et comme je voulais pas me taper la fille, je me suis précipité pour les ramasser. Mais en baissant, le poids des hamburgers était resté à cause de la chute de mon pantalon. Et les filles se sont fichues de moi. Tout le monde m'appelle McFutal maintenant. Elle est naze ta vie en fait, mec. Qu'est-ce que tu penses de Métaton? Quand je suis arrivé à Calcitaire, c'était mon rêve de travailler avec Métaton. Moralité, fais attention à ce que tu souhaites, mon petit pote. Ok. Tu n'aimes pas Métaton? T'as regardé autour de toi? Cet endroit, c'est le labyrinthe du mauvais goût. Et à chaque fois qu'on essaye d'embellir un peu tout ça, il prend la parole et dit « Oh, ça marche pas comme ça, la surface. » Mais oui, parfaitement. Tout le monde sait que les humains raffolent des hamburgers faits de paillettes et de colle. Pourquoi les gens le trouvent aussi beau? Sérieux, c'est rien de plus qu'un fichu rectangle. Tu sais, une fois, j'ai acheté un de ces kits sur internet pour te rendre plus rectangulaire. Ça marche pas. Ton futur, mec. Mon futur? Quel futur? Rien ne change ici-bas.
Je serais probablement condamné à faire ce job pourri pour toujours. Ah non. Mais attends, il y a une chose qui me motive encore. Si Asgore obtient une âme de plus, on pourra enfin retourner à la surface. Ce sera un tout nouveau monde, il doit y avoir une seconde chance là-bas pour moi. Pour tout le monde! Alors ne perds pas espoir, mon petit pote. Quand je serai célèbre, je me souviendrai de toi. Salut mec. Repasse quand tu veux, mon petit pote. Donc, l'ascenseur il est bloqué pour l'instant. Ça, ok. Je peux aller par là, mais d'abord on va aller faire les petites... les petites chambres. Oh, service de chambre! Avez-vous mon lacité? Non. Mais alors... Ah, service de chambre, vous l'avez monté? Oui. Non, vous ne l'avez pas, non? C'est fermé de l'intérieur. Ah, service de chambre! C'est mon lapin à la cannelle? Oui. Vous aplatissez le lapin comme une crêpe et le glissez sous la porte. Ah, c'est parfait, comme ça, voici le pourboire. Vous recevez 99 PO. Bon, si je trouve un thé, je le ramènerai. 10 000, merci. 10 000? Vache. On dirait que vous pouvez déposer quelque chose au pied de la porte. Poser? Ok, tiens. Vous déposez une salade canine devant la porte. Elle glisse par-dessous. La salade canine a été absorbée par les ténèbres. Oh non. Posez? Vas-y. Mais vous ne possédez rien d'intéressant. Ah non. C'est quoi ça? Starfait. Starfait soigne... Ah, 14 PV. Ok, ok. Occupé, on dirait. Un lacité. Si je trouve un lacité, j'en achèterai un, mais je m'en souviens plus. Hein. Faudrait que je fasse tous les magasins. Dring. Hein? Qui c'était ça? Personne d'autre n'est supposé être ici. Bah, on se souciera de ça plus tard, hein. C'est bon, c'est parti. Prends l'ascenseur qui monte au sommet du noyau. Oh putain, on est dans le futur. On est chaud. On est dans le turfu. Oui. On voit les sons. Le futur. Waouh. Waouh, 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 waouh. Et pourquoi tu n'essayes pas l'ascenseur d'abord? Hein? Attention! Malicien sort de son propre chapeau! Malicien attaque 29, défense 24, ce mercenaire Arcanis ne jure que par les mots magiques. S'il vous plaît, et merci. Il fait du prosélytisme. Il m'envoie des croix. Je vais lui parler. Malicien vous interrompt et se parle à lui-même. Son charabia vous fait tourner la tête, défense réduite de 1. Tournicoti, tournicota. Ah merde, les commandes sont inversées. Non. C'était moi une. Pourquoi il y a autant de monstres ici? Je veux dire, c'est pas un problème, non? On a qu'à continuer à avancer, c'est tout. Pourquoi elle voulait que j'aille à l'ascenseur? Attends, je vais aller à l'ascenseur? L'ascenseur ne marche pas.
Ah, l'ascenseur devrait marcher. Ah non. Bon, va à droite et continue vers le haut. Ok, à droite. Ok, je t'écoute. Ah, mais d'où vient ce gouffre? Tu devrais être capable de traverser ici. Ah vraiment, non. Ok, donc depuis le début, j'avais le bon chemin. Impossible. Ring. Tu vas devoir appuyer sur l'interrupteur avant de continuer. Sauf que ces lasers vont s'activer quand tu le feras. Et je crois qu'ils vont arriver dans cet ordre. Orange, bleu. Alors, de mémoire, orange, il faut que je sois en mouvement. Bleu, il faut que je sois immobile. Compris? Reste en mouvement jusqu'au troisième. Mais tu dis de la merde en plus, hein? Oh mon dieu, tu n'as rien? Je suis désolé, je me suis trompé dans l'ordre. Tout va bien se passer, d'accord? Continuons vers la droite. Ok, je l'aime pas. Je l'aime pas, elle me donne que des mauvaises infos. Un carrefour. Essaie de continuer à droite. Bah, à droite, c'est un voie sans issue. Attends, non, vers le haut, je crois. Ok. À la dodo, bloque le passage. Je vais te chanter à la gueule, tu vas voir. Vous entendez une berceuse. Les paupières de Paladodo semblent s'alourdir. Fais dodo. Ah! 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 Vous chantez. Vous continuez de chanter. Paladodo ferme lentement les yeux. Adieu. Adieu, mec. C'est bon? Putain, encore? Vous continuez de chanter, Paladodo s'endort. Paladodo est en train de ronfler, bah Clémence, hein. Au revoir. Pardon, je pensais que... essayons plutôt le chemin à droite. Et salut Alec! Bonjour, on en est où aujourd'hui? Je viens tout juste de commencer, parce qu'on a parlé pendant hyper longtemps. Plus de laser! Je ne ferai pas l'andouille cette fois. Je désactiverai juste les lasers pour que tu puisses passer. Ils ne se tiennent pas. Ok, on ne peut pas les éteindre. Tout va bien? Tout est sous contrôle. Je vais couper le courant dans tout le secteur. Et tu pourras traverser. Non, arrête! Vas-y! Attends, stop! Le courant! Il s'est remis tout seul en route! Tu veux me tuer en fait? Ah, c'est pas supposé. Je vais attendre de nouveau pour couper le courant. Quand il se coupera, avance un peu. Puis arrête-toi! Ok? Il ne te blessera pas. Non. Tu vois, j'ai la situation bien en main! Tout est sous contrôle! Oui, merci. Ok, tu devrais, je sais pas, je ça ne ressemble pas du tout à ma carte. Je suis désolé, il faut que j'y aille. C'est le pire sidekick du monde. Il flotte dans l'air une odeur d'ozone, Numa Numaye, cela vous emplit de détermination. L'Est. La fin. Au nord, la voie du guerrier. À l'ouest, la voie du sage. Toutes les deux mènent à la fin. À l'est, c'est la mort. Attends, moi, je prends la voie du sage. Et sagesse. Je crois qu'à chaque fois, c'est un... Bon, on va prendre la voie du sage. Résous cette énigme et la fin te sera ouverte.
Ah, elle est chiante celle-ci, hein. C'est bon. La traduction est vraiment cool et drôle. Ouais, ils ont fait un beau boulot sur la traduction. Ils ont vraiment fait un beau boulot. C'est un petit patch à télécharger. Parce que le jeu n'a jamais été vraiment traduit. Il y a un petit patch à télécharger sur, sur un site. C'est safe, hein, d'ailleurs. Et vraiment, ils ont fait du beau boulot, ouais. Traverse la salle au nord et la fin te sera ouverte. Bon, nous, on va rester à l'ouest, hein. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un Glamburger au fond de la poubelle. Voulez-vous le ramasser ? Oh oui. Vous obtenez le Glamburger, délicieux. C'est une poubelle vide. Pourquoi ne pas prendre une bonne tasse de liberté ? Ah non, mauvais jeu. Pourquoi ne pas prendre une pause et grignoter quelque chose ? Ouais. Il y a 100 PO à l'intérieur de la poubelle. Quoi ? Ouais, allez, hop, hein. Je ne peux pas combattre, je n'arrive pas à penser. Mais avec de la patience, je finirai par franchir cet obstacle. À l'est, c'est la fin. La stigmate s'approche. Ah, stigmate, putain. J'ai un peu d'astigmatie à un œil. Je me sens offensé. Alors. Je crois. Attends. Je vais l'examiner. Cette forte tête obtient toujours raison. Viens m'embêter. Viens m'embêter. Ok ? Vous embêtez la stigmate. Bah voilà ! Aïe, putain. La stigmate n'a que faire du combat à présent. Bah, let's go, hein. Victoire ! Tu es arrivé ? Derrière cette porte doit se trouver l'ascenseur menant au château du roi. Cela vous implique de détermination ! Ça, c'est quoi? Oh oui, te voilà, trésor. C'est l'heure de notre petite confrontation. C'est enfin l'heure de stopper le robot défectueux. Ou pas. Défaillance, reprogrammation, laisse-moi rire. Tout ceci n'était qu'un énorme spectacle. Une mise en scène. Alphys s'est jouée de toi pendant tout ce temps. Tandis qu'elle t'observait derrière son écran, elle s'était prise de tes aventures. Elle voulait désespérément en faire partie. Alors elle a décidé de s'introduire dans ton histoire. Elle a réactivé les énigmes, désactivé les ascenseurs et m'a demandé de te pourchasser. Tout ça pour qu'elle puisse te sauver du danger qui n'existe pas. Pour que tu penses qu'elle est formidable. Ce qu'elle n'est pas. Et maintenant, son heure de gloire est venue. À cet instant précis, Alphys s'entend en dehors de cette salle. Pendant notre combat, elle s'interposera. Elle fera mine de me désactiver, te sauvant ainsi une dernière fois. Enfin, elle sera l'héroïne de ton aventure. Tu l'admireras tellement qu'elle pourra même te convaincre de rester ici. Ou pas. Vois-tu, j'en ai assez de cette comédie prévisible. Je n'ai aucune intention de faire du mal aux humains, loin de moi en réalité. Mon seul désir est de divertir. Après tout, le public mérite un bon spectacle, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qu'un bon spectacle sans un retournement de situation ? Hé ! Mais qu'est-ce qui se passe ? La porte vient juste de se verrouiller d'elle-même ! Désolé les amis, votre programme habituel vient d'être annulé. Mais ce final que l'on vous a réservé va vous décoller la rétine.
Drame authentique, action authentique, carnage authentique. Voici notre nouveau spectacle, l'attaque du robot tueur. Ok. Examiné. Mais non, vraiment, hein. Il est invulnérable. Bon, c'est bien moi qui ai réaménagé le noyau. C'est moi qui ai engagé tous ces gens pour te tuer. Mais tout s'est décidé sous le coup de l'impulsion. Vois-tu, il serait mille fois plus intéressant de te tuer de mes propres mains. Écoute mon chou, j'ai pu te voir à l'œuvre. Tu es faible. Tu suis cette route, Asgore va t'arracher ton âme. Et avec elle, Asgore détruira l'humanité. Mais si c'est moi qui prends ton âme, son plan échouera. Je sauverai alors l'humanité de l'anéantissement. Bah. Bah. Ensuite, je franchirai la barrière grâce à ton âme. Ah, je peux tirer? Ah merde! Et je deviendrai alors la star que j'ai toujours rêvé d'être. Des centaines, des milliers, non, des millions d'humains suivront mon show! Ah oui, putain! Je m'en souvenais plus! Ah la vache! Putain. Manger les nouilles, hein. Il faut attendre que l'eau bouille maintenant. Mais non, mais! Laisse-moi manger des nouilles! C'est bon. Vous mettez les nouilles dans la casserole. 4 minutes avant que les nouilles soient cuites. 3 minutes. C'est trop marrant. 2 minutes avant que les nouilles soient cuites. 1 minute. Ah, 1 minute. Les nouilles sont cuites. Elles n'ont pas très bon goût. Vous ajoutez le sachet aromatique. Un peu mieux. Toujours pas top. Mais un peu mieux. Vous avalez les nouilles. Quoi, 4 PV, c'est tout? Mais non. Le strass, les paillettes, j'aurai tout. Qu'importe si les gens doivent mourir pour ça. C'est ça le showbiz, baby. Je vois rien de ce qui se passe là-dedans, mais... Aie confiance, d'accord? Il y a un autre moyen de vaincre Métatan. C'est encore un peu c'est un prototype, alors fais preuve d'indulgence. Bon, tu as remarqué que Métatan regardait toujours vers toi. C'est parce qu'il y a un interrupteur dans son dos. Alors, si tu arrives à lui faire tourner le dos, appuyer sur ce bouton, il deviendra vulnérable. Bon, je te laisse. Je vais te retourner, tu vas voir. Vous dites à Métatan qu'il y a un miroir derrière lui. Oh, un miroir, tu dis? Oh, tu as raison! Je dois me faire bonne impression pour notre grand final. Ah, oh, je ne vois rien. Où est-il? Tu viens d'appuyer sur mon bouton? Alors? Oh. Oh ciel! Si tu as appuyé sur ce bouton, ça ne peut signifier qu'une chose. Tu meurs d'envie de voir mon nouveau corps en avant-première! Quelle toupet! Une chance pour toi, je mourrais d'envie de le montrer. Alors, pour te remercier, je veux bien te faire une fleur. Je vais rendre tes derniers instants absolument fabuleux. Métatan X fait sa première. Je sais pas mec, je vais poser avec toi ou je vais crâner, je vais jouer le méchant. Non, je vais poser avec toi. Malgré la douleur, vous prenez une pause dramatique, le public applaudit. Lumière, caméra, action, oui.
J'ai rien compris. Bon, je vais mourir. Vous mangez le Glamour Burger. L'audience adore cette marque. PV entièrement restauré. Ah, j'ai eu de la bouffe tendance. Trop bien. Ah non. Violence. La violence, ça fait augmenter. Je suis pas très bon aujourd'hui, hein. On va mettre du drama. Je vais jouer le méchant. Drama. Vous faites volte-face et raillez le public. Ils misent tout sur votre destruction durant ce tour. Ouais, je vais mourir. Hein. Oh non, j'ai plus de bouffe. J'espère que tu as un clavier sous la main. C'est parti pour un quiz écrit. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez mes tatons? Tu n'as rien à dire? Attends, mais oh. Merde. Si tu voulais écrire un truc, mais... Crâné. Vous prétendez pouvoir éviter toutes les attaques. L'audimat augmente graduellement pendant le tour de mes tatons. Avec cette réaction, tu as su révéler ton cœur aux gens. Laisse-moi donc te montrer le mien. Ah non! Mais je vais mourir. Vas-y, je vais commencer à le... Clémence. Ah, je ne fais que m'échauffer. Ah non. En vrai, faut qu'on retourne en ville. J'ai absolument rien dans mon inventaire, tu vois. C'est assez terrible. Le problème, c'est que ce magasin, c'est hyper cher. Et c'est assez naze, tu vois. Il faudrait que j'aille, il faudrait que j'aille à la ville, tu vois. La ville dans la neige. Elle était bien, mais... Mais je me souviens plus si le bateau, il est loin d'ici. Putain, je m'en souviens pas. En bas, le bateau? Ah ouais. Non, ça c'était le mini-jeu de l'autre connard. Ah oui, il faut que je prenne l'ascenseur. Il faut que j'aille au tout début. Du coup... Étage droit 1, je pense. Et salut, Henrik. Bienvenue à toi. Je pense que c'est par là, mais je suis pas sûr. Hein. Là, c'était la première fois que je voyais Metatone. La mission de cuisine. Oh, putain. Oh, putain. Ça va me rendre fou. Ça va me rendre fou! Du coup, gauche premier. Ou droite 2. C'est un étage à gauche? Ok. Allez, gauche premier. Surtout que je crois qu'il est pas loin une fois qu'on sort de l'ascenseur. En vrai. Il est là! Il est là! Oh oui! Tralala, tu veux faire un tour? Oui. Où allons-nous? À Couve-Neige. En avant!
Merci pour les indications dans les chats. Merci à vous. Merci beaucoup. J'aime trop son bateau. Il est vraiment trop bien. C'est un petit chat et tout, tu vois. Les eaux sont agitées. C'est mauvais signe. C'est un petit chien. Ah, c'est pas un chat, c'est un petit chien. My bad. Bon, j'ai... Bubbles qui dit, tu m'as donné envie de le refaire. En plus, la run pacifiste, elle est tellement satisfaisante à finir. Je me marre bien avec le truc pacifiste. Par contre, qu'est-ce que j'ai des objets de merde dans mon inventaire? C'est assez incroyable. Ah oui, c'est vrai qu'elles vont. Chiante, elle. Je veux pas acheter ma merde. C'est la base dans les jeux vidéo que t'achètes ma merde. Les nouilles instantanées, c'est vraiment naze. Les carbos, c'était naze. Du coup, au final, j'ai que un glam burger qui me rend 27 PV. Ok. Lapin cannelle. Bah, on va en acheter plein. Dégage, je... Laisse-moi. T'avais loupé un village dans les cavernes aux chutes d'eau où tu peux vendre tous les trucs inutiles. J'ai loupé un village, moi? Comment on peut louper un village? Je suis aveugle, mais quand même, un village. Il est caché. Ah. Ben... On ira plus tard à ce village. J'allais mettre quelques millions de pantalons en plus aujourd'hui. Ok. Pourquoi faire du backseat quand je suis au WC? Pauvre, j'ai raison. Ils sont méchants avec toi. Ils me backseat. Enfin, ils me backseat moi. Mais... J'ai loupé un village. J'ai appris que j'avais loupé un village. J'ai raison. Étage droit 3. On va dire ça. Vous observerez que je n'ai absolument pas vapoté de la journée. Je commence à devenir un peu fou, tu vois. Alors, on va passer... Ah, il est directement en P2. Ok. Vas-y, on va poser avec lui. Dramatique, parfait, le public approuve. Ah. Et salut Lexi, bienvenue à toi. Je vais crâner. Oh oh oh. Où est les méchants? Les gens m'appellent l'idole des monstres. Oh non! Je suis pas mort.
Faut manger le glamburger. Bouffe tendance. Ah, c'est l'heure de l'interro surprise. J'espère que tu as un clavier sous la main. Oui, cette fois-ci, oui. C'est parti pour le quiz écrit. La beauté. Tu me fais rougir. C'est vrai que je suis magnifique. Ah. Mais t'attends, enregistre votre réaction pour une utilisation future. Et salut Samil, bienvenue à toi. Avec cette rédaction, tu as su élever ton cœur aux gens. Laisse-moi donc te montrer le mien. Mais je veux pas te faire du mal. On peut être alliés, hein. On n'est pas obligé de... Mais merde, je joue comme un cul, hein. Il fait que m'échauffer. Ah non, mais normalement, vous tirez qu'une seule fois. Eh oh! Bagoulos. Comment tu t'en sors sur le dance floor? Ça roule. Merde. Mes dernières paroles ont été merde. Pas Zouzou, garde notre détermination. J'en chie aujourd'hui. Oui, il est juste dur ce boss. J'avais save, ouais. J'avais save. Mathieu, t'es pas réveillé aujourd'hui, mon pauvre. Tu as mentionné que t'avais mal à la tête. Oui, mais c'est un peu passé. Tu as pris un petit déj? Je petit déj jamais. Vous connaissez maintenant mon terrible secret. Je ne petit déj jamais. Non mais il va rentrer hein, en vrai. Merde! Vas-y, je vais pas faire ma pain, je vais bouffer le burger. Putain, mais je suis mauvais! Vas-y, y'a rien qui touche, c'est pas vrai! Comment tu t'en sors sur la dance floor? Mais non! Mais je peux rien faire! Oh non! Un point de vie! Alors, tu suis le rythme? Pas beaucoup, hein! Pas trop, mec! Mais je vais devenir fou! Ok, ok, c'est... Ah
J'ai pas compris. Non, non, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Oh non, non, j'ai pas compris du tout. Je vous dis, aujourd'hui, je suis pas arrivé, hein. Faisons péter le feu. C'est l'heure de la pause syndicale. Ok, joyeuse pause. Coolos. Merci, mec. Waouh, tu vas super vite. Nous sommes devenus si distants, trésor. Que dirais-tu d'un autre cœur à cœur? Cœur à cœur, on a joué sur les mêmes accords. Mais je veux pas te faire de mal, mec, hein. Des bras, qui a besoin de bras avec des jambes pareilles? C'est vrai. C'est toujours moi qui vais gagner. Ah! Ah! Non! Il est marrant, ça. Allez! Ah! Le spectacle doit continuer! Non! C'est pas vrai! Lumière caméra. Oh non, ça suffit. Tu tiens vraiment à voir l'humanité périr? Ou bien crois-tu pouvoir surmonter, tout surmonter toi-même? Mais non, quel con! Un PV. Ah, quel entrain. Eh bien, trésor, c'est entre toi et moi, on dirait. Même si entre nous, je crois déjà... qui de nous deux va gagner? Admire le véritable pouvoir de la star de l'humanité. Il a plus de jambes, il a plus de jambes. Coolest. Je t'épargne. Vraiment, je veux pas ta mort, hein. Ainsi, ce serait toi la star. Peux-tu seulement protéger l'humanité? Non, j'ai pas compris! Ah! C'est bon! Bah, tu m'étonnes! Je tirais dessus comme un gros bourrin, donc ça changeait tout le temps! Alors! Alors! Ah, il y a quand même beaucoup de gens là! C'est quand même pas ouf pour moi! Salut Lulu, Berlu, bien le bonjour, c'est ta première run sur le jeu, Mathieu? Oui, tout à fait, tout à fait. Je ne connaissais pas du tout. On fait une run pacifiste. Merde. Tu vas tomber, saloperie! Je crois que je suis en train de faire de la merde, non? Ça fait plusieurs tours qu'il se passe plus rien, quoi. Et il y a son cœur, mais j'ai pas l'impression que je lui fais beaucoup de mal.
On va essayer d'autres actions, hein. On va crâner, hein. Vous prétendez pouvoir éviter toutes les attaques. L'audimat augmente graduellement pendant le tour de Metaton. On va essayer de faire monter l'audimat. On va poser. Vous prenez une pause dramatique, le public approuve. À moins que je le fasse pas assez mal dans cette séquence, hein. Pas assez mal vite, je veux dire. Pas que... Jouer les méchants. Pause dramatique, on va essayer de monter l'audimat à 10 000. Hein. Et merde, attention, tu risques de mourir cette fois-ci. Je ne sais pas quoi faire. Et merde. Bon, on va continuer de poser, hein. J'ai même pas un petit indice sur qu'est-ce que je peux faire, quoi. Bah, on est à 10 000. Je vais pouvoir continuer longtemps comme ça. Donc là, je pense que je suis blockade et je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Ah, oh, regardez-moi cet audimat. Ok, bon, j'ai rien dit. Je n'ai jamais eu autant de spectateurs. Je crois que l'on va pouvoir lancer le bonus appel. Une personne va avoir une chance de m'appeler en live. Avant que je ne quitte l'outre-monde pour le bon. Voyons qui nous allons avoir au bout du fil. Coucou, vous êtes en direct. Un petit message pour notre dernière émission. Oh, salut, Metaton. J'ai adoré regarder ton émission. Ma vie est plutôt nulle, mais ton émission télé a apporté beaucoup de bonheur dans ma vie, par procuration. Je peux me tromper, mais... J'imagine que c'est le dernier épisode. Tu vas beaucoup me manquer, Metaton. Oh, je pensais pas parler aussi longtemps. Oh. Non, attends, attends. Il a raccroché. Oh. Prenons un autre appel. Metaton, ton émission nous a tous rendus vraiment heureux, hein. Metaton, je serais pas quoi mater sans ton show. Metaton, tu vas laisser un métazine dans mon métacœur. Ah, Je vois. Merci, merci infiniment, vous tous. Trésor. Il vaut peut-être mieux que je reste encore un peu ici. Les humains ont déjà tant de stars et d'idoles, mais les monstres. Et non que moi. Si je partais, l'outre-monde perdrait son éclat. C'est la musique qu'il a chantée pour moi la semaine dernière. Mon départ laisserait le vide impossible à combler. Alors, je crois que je vais devoir remettre ça plus tard. Et puis, tu as fait preuve d'une grande force. Une force peut-être même suffisante pour survivre à Asgore. Je suis sûr que tu seras en mesure de protéger l'humanité. C'est mieux ainsi, après tout. Je ne vais pas te mentir, ce corps consomme vraiment trop d'énergie. Je vais bientôt tomber en panne de batterie et... Enfin, ne t'en fais pas pour moi. Mets-leur en plein les yeux, trésor. Et à tous mes spectateurs, merci du fond du cœur. Vous avez été un public fantastique. Non, mais Metaton ! On était devenus copains !
J'ai réussi à débloquer le verrou. Est-ce que vous... Toi, t'es un peu une traître, toi. Oh mon dieu. Metaton, tu es... Dieu merci, c'était seulement les batteries. Metaton, si tu étais parti, j'aurais... Je veux dire... C'est pas un problème, tu sais. C'est qu'un robot, et si tu le détruis, j'aurais juste à en construire un autre, mais... Je devrais y aller maintenant. Je n'en ai que pour un petit moment. Metaton ! Ces batteries sont à plat. Alors ? Et salut, avocat dodo, je sais pas si je t'avais dit bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis désolé. Continuons à avancer. Mais toi, tu m'as trahi un petit peu, non ? Tout ça, en fait, c'était de la manipulation avec Metaton. Tu voulais juste me sauver pour être la personne coolos. Pas très gentil, ça. Alors, tu vas bientôt rencontrer Asgore, pas vrai ? Ça doit... Tout ça, ça doit vraiment t'emballer, hein ? Ouais, laisse-moi tranquille. Et merci, Edge. Merci beaucoup pour ton prime des 2 mois. Merci à toi. Tu me dis doublage sur 20. Merci. Tu pourras enfin rentrer chez toi. Oui. Maintenant, laisse-moi. Attends. Je veux dire... J'allais juste... te dire au revoir et... Non, j'en peux plus. Je t'ai menti. Une âme humaine n'est pas assez forte pour traverser la barrière. Il faudra au moins une âme humaine et une âme de monstre. Bah viens. Si tu veux rentrer chez toi, tu vas devoir prendre son âme. Tu vas devoir tuer Asgore. Non, full pacifiste. Je suis désolé. Non, on n'aura pas de sang sur les mains. Full pacifiste. Bah j'essaye. Il me semble que j'ai tué personne depuis le début, même sans faire exprès. Il y a juste Metaton qui est tombé à court de batterie, mais c'est pas de ma faute. Ouais. C'est très noble de ta part. Ouais. J'essaye. J'ai l'impression que vous savez quelque chose que je ne sais absolument pas. No spoil dans le chat, mais j'ai l'impression qu'il y a une ironie. Il y a une ironie tragique dans ce que je viens de dire. Je la vois pas. Vous la voyez. Mais je crois qu'il y a une ironie tragique. La malveillance de ces emotes. Mais tellement... C'est très silencieux ici, hein. Ah. Et merci, Lunalam. Merci beaucoup pour ton prime, Lunalam. Merci beaucoup et bienvenue à toi. Alors, on va pouvoir sauvegarder. Mais je connais cette baraque. Le chemin est bloqué par 2 cadenas. Une note est accrochée. Salutations, je suis dans le jardin. Si vous avez envie de me dire ce que vous avez sur le cœur, n'hésitez pas à venir me voir. Les clés sont dans la cuisine et dans le couloir. Mais on dirait la baraque de la copine du début du jeu. Il y a un médaillon en forme de cœur dans le paquet cadeau. Voulez-vous le ramasser ? Oui. Vous obtenez le médaillon en forme de cœur. Ouais, moi je loot tout, moi. C'est quoi ? Armure def 15 ! Oh la vache ! Il y a une dague émoussée à l'intérieur du paquet. Bon, bah les couilles. J'ai pas besoin de dague. Il y a beaucoup de pulls rayés dans cette armoire. C'est une photo de famille, tout le monde sourit. Moi aussi j'ai des pulls rayés. Ça tombe bien, non ? Des jouets poussiéreux. Il y a 2 lits aussi.
Et voilà un lit confortable. S'y allonger, c'est y rester. Des jouets poussiéreux. Mais qu'est-ce qu'il y a du lore? Une fleur dorée. Une fleur dorée. Pièce en rénovation. Est-ce que... Il y a très longtemps, un humain tomba dans les ruines. Blessé par sa chute, l'humain appela l'aide, oui. Vous prenez la clé et l'accrochez au porte-clé de votre portable. C'est le journal d'Asgore. On peut y lire. Quelle belle journée. L'encre est à peine commencé à sécher. Ce n'est qu'une chaise. Ce lit est presque assez grand pour y mettre un peuple tout entier. C'est une armoire. Il y a un costume de Père Noël à l'intérieur. Dans l'armoire se trouvent des robes de chambre, des chemises. Et un pull tricoté à la main avec Mister Papa dessus. C'est un trophée numéro 1 au championnat de Frottenay de 98. Incroyable. C'est une fleur dessinée avec des nouilles. Pour le roi des papas. T'as un papa ? En dépit de toutes ces épreuves, tu es toujours toi-même. Asgore, il est papa ? Asriel, le fils du roi, entendit son appel et ramena l'humain jusqu'au château. J'ai l'impression qu'il y a une révélation là, non ? Je la vois pas ? Vous êtes en train de pleurer dans le chat ? Moi pour l'instant tout va bien. Pour l'instant j'ai pas le reveal. Vous êtes tous en train de chialer et tout. Oui. Il y a des albums photos, des scarbooks, des livres de thé. On dirait des outils de jardinage. Les braises sont encore chaudes. C'est un très bon fauteuil pour lire, mais personne n'a l'air de l'utiliser. Au fil du temps, Asriel et l'humain devinrent très proches. Le roi et la reine considèrent l'humain comme leur propre enfant. Notre monde était rempli d'espoir. Ok. C'est moi l'autre humain ? Vous prenez la clé. La cuisinière est toute propre. Celui qui vit ici doit utiliser la magie du feu à sa place. C'est une poubelle ! Elle déborde de recettes chiffonnées pour faire une tarte. À la cannelle et au caramel. C'est exactement ce que faisait la mamie du début, tu vois. On a laissé un mot. Coucou, serre-toi. Ok, très bien. Le frigo est rempli de conserves d'escargots. Il y a des poils blancs au fond de l'évier. Toriel, j'ai oublié son nom. Pourquoi vous chialez? J'arrive pas à voir pourquoi vous chialez. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un vieux calendrier du début 2000. Une date est entourée dessus. Pourquoi vous chialez? J'avais un frère monstre. Puis un jour, l'humain tomba gravement malade. Ok. Affaibli, l'humain ne désirait qu'une seule chose. Revoir les fleurs de son village. Mais nous ne pouvions rien faire. Le jour suivant... L'humain mourut. Ah. Asriel, anéanti par le chagrin, absorba l'âme de l'humain. Il se transforma en un être doté d'incroyables pouvoirs. Avec l'âme de l'humain, Asriel traversa la barrière. Et porta le corps du défunt à la lumière du soleil. Jusqu'au village des humains, oui. Ok. Asriel atteignit le centre du village. Là-bas, il trouva un lit de fleurs dorées. Et déposa l'humain dessus. Ok. Tout à coup, des hurlements retentirent. Les villageois avaient vu Asriel portant le corps de l'humain, croyant qu'il avait tué l'enfant. Ok, un quiproquo. Les humains l'attaquèrent de toutes leurs forces. Asriel fut assailli de coups,
Il avait pourtant le pouvoir de tous les éradiquer. Ok. Il s'est sacrifié? Il s'est laissé tuer? Asriel encaissa chaque coup sans riposter. Tout en serrant l'humain contre lui. Asriel sourit et se retira. Gravement blessé, Asriel finit par rentrer. Arrivé au château, il s'effondra. Sa poussière se dispersa dans le jardin. Ça a l'air triste, cette histoire. Le royaume sombra dans le désespoir. Leur majesté avait perdu 2 enfants en une nuit. Les humains nous avaient à nouveau ôté de tout ce qui nous restait. Elle est où, la happy end? Le roi déclara alors que ce serait la fin de notre souffrance. Désormais, chaque humain qui tomberait ici trépasserait. Avec suffisamment d'âmes, nous pourrions briser la barrière. Nous y sommes presque. Le roi Asgore nous redonnera espoir, nous sauvera tous et nous délivrera. Ça ne te fait pas sourire, toi? Tu ne trouves pas ça génial? Ça ne t'emplit pas de joie? Vous voulez me tuer, en fait. Vous voulez mon âme? Tu vas bientôt être libre. Vous voulez me libérer de façon pazouzesque? Vous voulez me libérer? Incroyable. Y a pas de détermination là. Joli ici. Oh mon dieu. Qui es-tu? Ainsi tu as pu parvenir jusqu'ici. La fin de ton aventure est proche à présent. Dans quelques instants, tu vas rencontrer le roi. Ensemble, vos choix détermineront le sort de ce monde. Mais pour l'heure, toi, tu vas maintenant faire face à un jugement. Toutes les actions que tu as entreprises jusqu'ici seront jugées. Il en va de même pour tous les points d'XP que tu auras alors gagnés. J'ai gagné 0 XP. Ça va être vite vu, cette histoire. Que signifie l'XP? Il s'agit d'un acronyme. Ça signifie exécution point. Point d'exécution. Non! C'est pas de l'XP! C'est pas de l'expérience! C'est à chaque fois que tu tues un ennemi, t'as gagné des points d'exécution. Ce qui peut dire... Zéro! Ces derniers quantifient la souffrance que tu as infligée aux autres. Lorsque tu tues, ton XP augmente. Lorsque tu en as suffisamment, c'est ton love qui augmente. Love est également un acronyme. Cela signifie « Level of Violence », ton niveau de violence. Ce dernier reflète ta capacité à infliger de la souffrance. Plus tu tues, plus il t'est facile de te perdre toi-même de vue. Plus tu te perds toi-même de vue, moins tu souffres. Et plus il te sera facile de faire souffrir autrui. Ah mais c'est toi! Mais toi, tu n'as jamais reçu de love. Ce qui ne signifie nécessairement que t'as jamais fauté, mais simplement que tu as pu conserver une part de tendresse en toi, oui. Qu'importeraient les épreuves et les dangers que tu affrontais, tu prenais à cœur de faire ce qui te semblait juste. Tu as toujours refusé de blesser qui que ce soit. Et lorsque tu fuyais, tu le faisais le sourire au visage. Tu n'as jamais reçu de love, mais tu as reçu de l'amour en retour. Compliqué, pas vrai? Peut-être pas tant que ça, non? Bien. Tu vas faire face à la plus grande épreuve de toute ton aventure. Les actions que tu vas entreprendre détermineront le sort du monde entier, oui. Si tu choisis de ne pas te battre, Asgore s'emparera de ton âme et détruira l'humanité. Mais si tu le tues, et que tu retournes parmi les tiens, tous les monstres resteront piégés sous terre. Que vas-tu faire? Oh, si j'étais toi, j'aurais lâché l'affaire depuis un bail. Eh, c'est pas en renonçant que t'as pu arriver jusqu'ici, pas vrai? En effet, tu possèdes ce qu'on appelle de la détermination, oui.
Et salut Lord, bienvenue à toi. Je t'ai connu à l'époque de SLG, j'espère que Twitch va bien. Sinon, reste déterminé. Je suis déterminé, merci beaucoup Lord. Konsu, merci beaucoup, la détermination. Alors, tant que tu tiens bon, tant que tu écoutes ton cœur, je suis persuadé que tu feras ce qui est juste. Allez, on compte tous sur toi, le mioche. Bonne chance. Je vais pas me battre. Mais le roi, il est pas hyper cute? J'avais l'impression que le roi, il était cute. Tout le monde disait qu'il était cute. Oh, ça se trouve, il l'est pas du tout. Salle du trône. Ok, et là, c'est quoi? Ok. Bon, on va aller voir dans la salle du trône. Yo. Om polom polom. Oh, il y a quelqu'un? Un petit instant. J'ai presque fini d'arroser ces fleurs. Il a l'air cool. Et voilà. Coucou. Comment puis-je... Un humain? Oh. J'aimerais tant pouvoir te dire, voudrais-tu une tasse de thé? Mais tu sais déjà ce qui nous attend, je suppose. Tu veux absorber mon âme? Non. Belle journée, n'est-ce pas? Pour aspirer une arme? Les oiseaux chantent, les fleurs s'épanouissent, oui. Oh. Un temps parfait pour jouer à la balle. Mm-hmm. T'as pas l'air méchant, mec. Tu veux pas m'aspirer mon âme. Tu sais ce qu'il nous reste à faire. Quand tu auras terminé de te préparer, viens dans la salle suivante. Il y a une salle suivante. Ok, je vais visiter avant. C'est un trône. Ouais, j'ai remarqué. Je vais visiter avant parce que je pense que c'est le combat de ma vie, tu vois. J'ai que 3 îles. Je sais pas si ça va passer, tu vois. Mais bon, peut-être qu'ici, il y a un healer. Un vendeur, plutôt. Ah! C'est un cercueil. Un nom est gravé dessus. Pas Zouzou! C'est vide. Ah non! Ça, c'est tous les autres humains qui l'a tué. Pas Zouzou! C'est moi! Il a prévu mon cercueil. Au moins, quelque part! Quelque part, je trouve ça étrangement... C'est cool. Il a pensé à moi. Il a écrit mon nom sur le cercueil. Il l'a acheté, il l'a fabriqué, tu vois, avec ses petites mains. En vrai, coolos, hein. C'est un peu stressant, comme situation. Dis-toi que c'est juste... comme une visite chez le dentiste. Tu as pu te préparer avant? Si ce n'est pas le cas, je comprendrais. Je suis pas prêt, moi non plus. Bah, qu'est-ce qu'il y a comme sauvegarde? Allez. Voici la barrière. C'est ce qui nous garde tous piégés ici, sous terre. Si tu as encore des affaires à régler, je t'en prie, finis ce que tu as à faire. Continuez? Ah, vas-y. Je vois, je vois. Alors ça y est. Battons-nous, mec. Enfin non, pas moi. On peut y aller? Ouais, ouais, ouais. Non. Je suis le dernier. Il veut mon cœur. Le crépuscule éclaire la salle. Son étrange lueur perce à travers la barrière. Votre voyage touche maintenant à sa fin. Cela vous emplit de détermination! Humain.
C'était un plaisir. Merci Agune. Merci beaucoup pour le resub des 13 mois, Agune. Merci à toi. Adieu. What the fuck? Ma Clémence! Asgore passe à l'attaque. Mais ça va pas, toi? Je vais te parler, tu vois. Vous dites calmement à Asgore que vous ne voulez pas l'affronter. Ses mains tremblent pendant un instant. Ah! Vous dites à Asgore que vous voulez pas l'affronter. Sa respiration devient irrégulière pendant un instant. Vous dites fermement à Asgore d'arrêter le combat. Oh, c'est bon, ça suffit maintenant. Des souvenirs lui reviennent. L'attaque d'Asgore diminue. La défense d'Asgore diminue. Wow. Ça suffit! Il semblerait que parler ne serve plus à rien. What? Mais j'ai rien à faire, hein. Je vais l'examiner, hein. Vas-y, je vais te parler. Non. Et j'ai plus de Clémence. Ça, c'était horrible. Oh la vache, que tu m'as mis, mon pote. Allez, un petit lapin. Oh non! Ah, ah non, Seigneur Dieu! Pas de Clémence. Et parler ne sert à rien, devine ce qu'il te reste à faire. Taper? Mais j'ai jamais tapé un seul type depuis le début. Je sais même pas comment ça marche. Plus il est utilisé les Clémence, il a détruit ton bouton. Bah ouais. Il va pas taper fort avec son level 1. Bah non! Bah il serait mettre mieux. Oh la vache! C'est sûr que tu veux le taper? Bah je peux rien faire d'autre. En fait, j'ai aucune action à faire. Mais comment je vais réussir à le battre? Peut-être que tu survives assez longtemps, peut-être, hein. Ok. T'es sûr de tes actions? Non! J'en ai aucune idée, je sais même pas si je fais la bonne chose. Mais j'ai rien d'autre à faire. Encaisse sans parler de ça au début du live. Bon, je vais encaisser, hein.
Je peux encaisser. Combattre est la seule option. Non! Ah! Putain, ça c'est hyper dur, hein! Je vais mourir. Après, son pattern devient de plus en plus compliqué, donc en vrai, j'ai l'impression que ça évolue, hein. Ouais, par contre, ça, c'est abusé, hein. C'est la fin! Mais il va être super long et super chiant ce combat, non? Bon, backseatez-moi la gueule. Sans me dire quoi. Enfin, faut juste que j'attende. Ou j'ai fait quelque chose de mal. Parce que j'ai pas envie de le recommencer 50 fois en me disant qu'il y a une stratégie à faire. Faut taper. Il faut taper. Ouais. Taper et taper fort. Ok, ok, on va aller chercher la dague. T'es obligé de te battre. Ah, c'est la loose. Après, peut-être que s'il a plus beaucoup de PV, à la fin, je pourrais peut-être l'épargner. Je l'aurais juste cassé un peu la gueule, tu vois. Où est-ce que je suis? Oh, ça va être long. Ça va être long. Oh non. Oh non. En vrai, en plus de ça, j'ai pas beaucoup de heal. Il faudrait que j'aille en ville pour aller chercher du heal, mais... Pff, oh là là, c'est si loin. C'est si loin. Qu'est-ce que je suis, bordel? Mais où est-ce que je suis? Bon, je vais aller en ville. Parce que c'est naze ici. Y'a rien à acheter. Et de toute façon, c'est naze. Qu'est-ce qu'on avait dit? Left. Non, droite. Droite 1. Ou left. Left, je crois. Yé. Où venais-je? Il y a les meilleurs soins du jeu dans l'hôtel. Mais... J'ai 20 PV en fait, Edge. En fait, j'ai pas besoin d'avoir un gros soin. Étant donné que j'ai jamais tué personne. Du coup, j'ai pas de PV. J'ai que 20 PV, donc... J'achète les soins du début du jeu. Ils valent pas cher. Et ils me soignent full, tu vois. Thank you.
Allez, on a plus qu'à retrouver cette putain de baraque. J'ai dû me tromper pour la baraque du mec. Ce qui est une dague, je vais prendre la dague. Bon, préparez votre meilleur pavé pour Mathieu à la fin du jeu et lui dire la vérité sur la run. T'as envie de briser mon cœur, paladin, j'ai l'impression. J'ai fait des bonnes actions, non? Je crois. Vous mettez le doute. On veut tous briser ton cœur. Ah non. C'est terrible. Bon, je retrouve la baraque. Je retrouve la baraque. On chope la dague et on lui défonce la gueule, tu vois. Ok. On va se la jouer comme ça. Il veut se taper. On va se taper, tu vois. Comment le lore de mon personnage, il a changé à la toute fin, tu vois. Tu veux taper, ok. Ça fait 3 lives que je me retiens à foutre des grandes mandales. Enfin. On va le suriner, mais on va le suriner de ouf. Sa baraque, elle était où? Alors, attends. Je crois que sa baraque, elle est plus loin, là. Je vais suivre la même... Je vais suivre la même route. Je vais finir par tomber sur sa baraque de merde. Le suriner, mais avec amour. Oui! Tout à fait. Avec cœur et détermination aussi. On va le suriner avec détermination, ça c'est assez important. Ah voilà. Alors, on va aller dans la chambre des enfants et on va utiliser leur cadeau. Tiens, une dague. Il y a une dague émoussée à l'intérieur. Allez. Je vais te tuer avec les objets de tes propres enfants. Fights. 15. Parfait pour couper les plantes. Je vais aussi tuer mon père. Allez. Let's go. Et salut Gecko, bienvenue à toi. Je viens d'arriver. Il a cassé la run pacifiste. En fait, je suis arrivé au boss de fin, mais en fait, il m'oblige à le taper. Donc, on va le déboîter, tu vois. Mais il y a peut-être moyen, peut-être qu'il y a un truc pour retomber sur ses pieds. Genre, peut-être que je vais lui donner quelques coups. Ça va l'énerver. Il va peut-être se calmer. Peut-être calmer son cul, tu vois. Pas Zouzou le sang sur ses mains. Ouais. Ça me manque Elden Ring. Together. Et salut Galiox, bienvenue à toi. C'est ta première run d'Undertale? Oui. Oui Galiox. Toute première. Ah merde, je vais pas au bon endroit, pardon. Et tu sais quoi, Mathieu? On savait déjà tout au moment où t'as commencé ta run. Bah oui, vous connaissez tous les secrets de ce jeu. Moi, j'ai pas le reveal pour l'instant. J'ai absolument pas de reveal. Pas de reveal qui me vient dans la tête. Allez, on se la donne, mec. On peut y aller? Ouais, on peut y aller, ouais.
Je vais quand même lui parler. Je lui parle ou... Je lui parle ou je le, je le dégomme direct. Ok, je vais le dégommer direct. Ah! Non! Mais t'es mauvais, Jack. Je peux lui parler. Ouais, je veux lui parler. Allez, mec, on arrête. Vous dites à Asgore qu'il vous a tué une fois auparavant. Il hoche tristement la tête. Quoi? Vous dites à Asgore que vous ne voulez pas l'affronter. Sa respiration devient irrégulière pendant un instant. Vous dites fermement à Asgore d'arrêter le combat. Ses souvenirs le reviennent. L'attaque diminue. Là, je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon. Oh, l'attaque de l'enfer. Oh. C'est la pire attaque. C'est la pire attaque. Allez, R de non. J'appuie trop vite. Non, j'étais plus en mouvement. Oh là là là, quelle indignité. Oh non, non. Oh, mais c'est pas possible que je suis mauvais. Faut que j'attende la fin du jeu pour savoir comment fonctionne le système de combat, quoi. Mourir. Ça va être si long. Non, pas cette attaque de merde. Surtout que ça va être si long parce que j'ai pas de statistiques étant donné que j'ai pas pexé de tout le jeu. Ah non 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 non. Ça a touché. C'est indécent. C'est passé ça, ok. Non, 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 non. Ah, non. Non, 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 pas... Cette attaque du diable. Non, 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 non. Ma détermination. J'ai 8 PV quand même, hein. Je lui fais beaucoup plus de dégâts sur la fin, ouais. Je sais pas pourquoi. Mais il prend un de ses tarifs.
Il a plus beaucoup de détermination, lui. Ah la vache! Non! Il me reste combien de lapins? Un seul lapin! Oh non! Fais-moi le show, hein! Alors, c'est comme ça. Je me souviens du jour où mon fils est mort. Tout l'autre monde avait perdu espoir. Notre avenir nous avait de nouveau été volé par les humains. Pris de colère, je déclarai la guerre. Je jurai que j'exécuterai tout humain qui oserait venir ici. Que j'utiliserai leur âme pour devenir un dieu. Il nous libérerait de cette infâme prison. Et qu'ensuite je détruirais l'humanité. Et laisserais les monstres régner en paix sur la surface. Rapidement, l'espoir du peuple revint. Cependant, ma femme fut horrifiée par mes actes. Ta femme, je la connais, je crois. Non ? Elle est partie d'ici et disparue aux yeux de tous. En vérité, je ne cherche pas le pouvoir. Je ne veux faire de mal à personne. Je voulais juste que tout le monde garde espoir. Mais je ne peux pas supporter ça plus longtemps, non. Je veux juste revoir ma femme. Elle va bien, hein ? Je veux juste revoir mon fils. Ça va être un peu plus compliqué. Jeune enfant, je t'en prie. Cette guerre a assez duré. Tu as le pouvoir. Prends mon âme et quitte cet endroit maudit. Non ! Non ! Après tout le mal que j'ai voulu te causer. Je suis le roi des hippies, laisse-moi tranquille. Tu préférerais rester ici et souffrir ? Je souffre pas. Je fais des câlins et je casse des gueules occasionnellement, c'est incroyable. Plutôt que vivre une vie heureuse à la surface. Humain, je te promets qu'aussi longtemps que tu resteras ici, ma femme et moi prendrons soin de toi du mieux que nous le pourrons. Nous pourrons nous raconter des histoires assis dans le salon et manger de la tarte au caramel. Nous pourrions vivre comme une vraie famille. T'as quand même voulu me casser la gueule, papa. Non, qui ? La fleur ? La fleur ? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, la fleur. Ouais, c'est toi, là. Imbécile ! Tu n'as donc rien appris ? Dans ce monde ? C'est tuer ou être tué. Putain, t'as tué mon nouveau daron. Oh ! J'ai eu un crash. Oh non. C'est normal ? Ah ! MDR ? Ils ont prévu ça ? MDR, comme je suis tombé dans le panneau ! En vrai, je serais vraiment tombé dans le panneau. Ok, bon, je rouvre le jeu. Jadis, les humains et les monstres, un jour, tous disparurent. Eh oh ! Sans laisser de traces. Ouais. Flowway. Mon monde. Continuez. La fin. Ah non. Ah ! Elle est chaude, cette fleur. Coucou. C'est moi, Flowway. Flowway la fleur. Je te dois une fière chandelle. Tu as mis sur la clé à ce vieux schnock. Sans toi, j'y serais jamais arrivé. Mais maintenant, grâce à ton aide, il est mort. Et j'ai les âmes humaines. La vache! Ça fait si longtemps que je suis vide. Ça fait tellement... C'est tellement bon d'avoir de nouveau une âme en moi. Ça remue là-dedans. Tu te sens à l'écart, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parfait. Après tout, je n'ai que 6 âmes. Il m'en manque une avant de devenir un dieu. Ainsi,
avec mes nouveaux pouvoirs. Les monstres, les humains, tout le monde. Je leur montrerai à tous le vrai sens de ce monde. Oh, et ne cherche pas à revenir à ton ancienne sauvegarde. Elle est détruite, pour toujours. Mais t'en fais pas. Ton vieil ami Flowey a bricolé une rien que pour toi. Je sauverai juste avant ta mort. Pour que tu puisses me voir te réduire en bouillie sanguignolante. Encore et encore et encore et encore. Quoi? Tu crois vraiment pouvoir m'arrêter? Salut Nérisson, bienvenue à toi. Tu es vraiment stupide. Mais j'ai pas de heal. Ok. Oh la vache. Ah la vache. Oh ouais, oh, oh. Il m'a fermé le jeu encore. Mais tu m'as fermé le jeu, mec. Attends, il va me fermer le jeu à chaque fois que je perds. J'ouvre le jeu, il me dit. Croyez vraiment que je me satisferais de te tuer une seule fois? Je vais te tuer 1000 fois. Ok, super. Il est hyper dur, hein. Il y a sûrement un endroit qui est safe. Faut juste que je découvre où c'est. Non, passez, 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 passez.
Mais pourquoi il me TP? C'est incroyable. Ah non! Je vais jamais y arriver. Oh non. Mais il cheat. Mais tu cheats, mec. Tu vas rien faire. Ok. Tire sur l'écran. Mais je peux rien faire. Je peux pas tirer. Ah bon, on peut tirer. Oh non, je vois. Je peux pas tirer. Je peux vraiment pas tirer. Pourquoi vous me dites qu'on peut tirer? On peut pas tirer, ok. J'ai pas la patience aujourd'hui. Pourquoi ce boss est si long et pourquoi il se passe rien? Pathétique, maintenant tu vas vraiment mourir. Tu étais si proche. Oh. J'ai mal dormi, je suis pas bien et j'ai pas envie de faire un boss. Ah mais ça change à chaque fois. Bien. Il m'a enfoiré. Non. Putain. Ah mais c'est fini. Ah mais ça gardait en réserve le fait que... Ah! Ah ok! La défense de Flo est tombée. Ok bon c'est bon, le moral est revenu pour le joueur français. C'est bon, on va l'avoir.
Ah, je fais de la merde, hein. Wow. Tarif 1. Non. Oh non, 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 non. C'est pas possible. Espèce de... Non, non. Espèce d'imbécile. Merci pour les GG dans le chat. J'avais bien besoin de... J'avais bien besoin de votre puissance. Tu croyais vraiment que tu pourrais me battre? Je suis un dieu dans ce monde. Et toi? Tu n'as plus aucun espoir. Tu n'as rien ni personne. Et oui, c'est exact. Tes amis sont inutiles. Ils ne peuvent plus te sauver. Par le pouvoir de l'amitié. Appelle à l'aide, fais donc. Pleure dans les ténèbres. Maman, papa, aidez-moi. Tu verras à quel point c'est inutile. Vous appelez à l'aide. Mais personne ne vient. Oh, quel dommage. Personne d'autre ne pourra te voir mourir. Quoi? Mais comment t'as... Mais... Bah... Je vais juste... Échec de chargement. Mais... Quoi? Les pouvoirs, ils ont... Mais... Ah non! Les âmes... Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'elles font? Non! J'ai compris. Drogue, 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 drogue! Vous êtes censés m'obéir! Arrêtez! Arrêtez ça! C'est le LSD! Arrêtez! Ah là! Et ça lui est dit. T'arrives à la fin pour la run pacifiste? Ouais. Bon, j'ai été obligé de lui taper dessus, ceci dit. Clémence! Je veux quand même te faire la Clémence, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois vraiment que j'ai appris quoi que ce soit? Non. Mais si, au final. Quand tu ne réfléchis bien, t'as sûrement appris ta leçon. M'épargner ne changera rien. Mais tu es la seule façon d'en finir. Non, non, non. Si tu me laisses en vie, je reviendrai. I'll be back. Vas-y, hein. Je te tuerai. Oh, vas-y, c'est cool. Je tuerai tout le monde. Ok. Vis tes rêves, petite fleur. Je tuerai tous ceux que tu aimes. Ok. Eh. Je comprends pas. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que... Tu t'obstines à m'épargner? Allez. Je comprends pas. Je comprends pas. Allez. Je comprends vraiment pas. Bibou, il est... il est en erreur système. 404. Flowey prend la fuite. Il est confus, oui. Il est très très confus.
C'est l'heure du pavé. Pardon. Better Paladin qui dit « Alors Mathieu, sache que la première run est forcément une run neutre. Donc tu aurais pu tuer des monstres. Cela n'aurait rien changé à la fin de cette route. Il y a 3 de fins possibles. Mais pour une première run, tu es obligé d'avoir cette fin, oui. Tu aurais pu avoir plus de PV pour les boss, mais ça tu le savais pas. Non. Si tu veux vraiment une run pacifiste, il faut que tu refasses le jeu. Disons qu'il y aura des changements à partir d'un certain moment. Ah non ! Dring, dring, dring. Salut, salut. Il y a quelqu'un ? Bon, je vois. Je vais juste laisser un message, alors. Eh bien, ça fait un bail. La reine est revenue et règne maintenant sur l'outre-monde. Elle a mis en place une nouvelle politique. Les humains tombant ici ne sont plus traités comme des ennemis, mais comme des amis. C'est probablement mieux comme ça, de toute façon. Les âmes humaines que le roi avait rassemblées, on dirait qu'elles ont disparu. Donc ce plan m'a l'air un peu mort pour le moment. Mais même si les gens ne se remettent pas de ce qui est arrivé au roi, et que ça s'annonce un peu fichu pour notre libération, la reine fait de son mieux pour nous faire garder espoir. Donc ouais, si on n'abandonne pas de notre côté. N'abandonne pas où que tu sois, d'accord ? Qui sait combien de temps ça nous prendra ? Mais on finira par sortir d'ici. Sans ! Mais à qui est-ce que tu parles ? Oh, personne, personne. Comment ? Personne ? Je peux lui parler moi aussi ? Tiens, tiens, fais-toi plaisir. Attends une seconde ! Je reconnais ce numéro ! Écoute-moi bien, humain ! Moi, le grand Papyrus, je suis désormais capitaine de la garde royale. C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. Sauf qu'à la place de combattre, on arrose des fleurs. Ça change un peu de ce qui, de ce à quoi je m'attendais. Ah, et on aide aussi le docteur Alphys dans ses recherches. Elle va trouver un moyen de nous sortir d'ici. Undyne l'aide aussi. Même si, pour être honnête, la façon dont elle l'aide donne des résultats. Un peu trop explosif. Mais Alphys a l'air d'aimer la voir dans les parages. Hé, hey, comment ça va, microbe ? Nya ! Nya ! Alors, attends, vous me dites quoi ? Recharge juste la sauvegarde pour faire une full pacifiste la fin. Je pourrais recharger la sauvegarde et du coup avoir la fin ? Ok. Bah, je vais lire le dialogue, etc., etc., mais on va voir, on va tester. Ne maltraite pas le téléphone, je t'en prie. Hey, c'est qui le patron ici ? Mais c'est moi ! Oh, ouais, 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 c'est vrai. J'ai démissionné de mon poste de chef de la garde royale. En fait, vu que l'on ne va plus devoir se battre, la garde royale a été complètement dissoute. Il n'y a plus qu'un seul membre désormais. Mais il est carrément doué ! Ouais, 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 tu peux le dire, viens par là. Ne maltraite pas le squelette ! Je t'en prie. Enfin bon, je suis désormais l'assistante d'Alphys au labo. On va trouver un moyen de sortir de ce trou pour de bon. Ah, sinon je suis prof de sport à la nouvelle école de la reine. Tu sais que je peux soulever 7 enfants juste avec mes bras. Ah la vache. Énorme. Hé, hey, désolé pour ce qui s'est passé avec Asgore. Tu as fait ce que tu devais faire. Ce n'est pas vraiment ta faute, Syl. Ah, c'est pas vrai. Il me manque déjà le bonhomme. Allez, Undying, du nerf. Je vais plutôt te parler de ce que devient Alphys. Bah, elle a pas changé d'un poil. Peut-être un peu plus renfermée que d'habitude. Comme s'il avait quelque chose qui la dérangeait. Mais elle va s'en sortir. Je suis là pour la soutenir. C'est à ça que servent les amis, pas vrai ? Et où que tu sois, j'espère que c'est mieux que cet endroit. On a abandonné tellement de choses pour que tu sortes d'ici. Alors peu importe où t'es maintenant, fais en sorte d'avoir une vie heureuse, Hank. Hein ? Fais-le pour nous. On sera content de savoir que nos efforts n'auront pas été vains. On est avec toi, tout le monde, même la reine. Et attends une seconde. Toriel, Toriel, est-ce que tu veux... Ah, elle dit qu'elle est occupée. Mais si elle savait à qui on parlait. On pourrait plus reprendre le téléphone avant des heures. Hein. Nous avons la clémence de... te l'épargner. Mais on appelle n'importe quand, ok ? Ça lui fera plaisir. Oh, oups. Ce truc n'a quasiment plus de batterie. Bon, désolé de devoir couper comme ça, mais un de ces quatre, ok ? Salut, salut ! A plus, microbe. Sinon, on ira la voir sur internet, la fin de roue pacifiste. Pourquoi ? Pourquoi m'as-tu épargné ? Tu ne te rends pas compte que jouer au gentil ne t'apporte que des misères. Regarde-toi.
Tu t'es fait tous ces amis géniaux. Mais maintenant, tu ne les reverras probablement plus jamais. Sans parler du fait que ton passage a totalement changé leur monde. Ça fait mal, n'est-ce pas? Si tu avais fait tout ce chemin sans t'occuper de personne, tu te sentirais pas aussi mal. Alors je ne comprends pas. Tu as vraiment tout fait comme s'il fallait. Comme il fallait, pardon. Pourquoi les choses devraient-elles finir ainsi? Pourquoi? La vie est-elle toujours si injuste? Hé, si je te disais que je connais une façon d'avoir une meilleure fin. Tu devras charger ta sauvegarde et... Eh ben au passage, pourquoi n'irais-tu pas voir le docteur Alphys? Vous auriez peut-être certainement dû... vous auriez certainement pu devenir bons amis. Qui sait? Peut-être qu'elle possède la clé de ton bonheur. À plus tard. Ok. Jadis les humains nanani. Ok, donc là c'est avant le combat avec le roi. Et elle m'a dit d'aller voir Alphys. Mais où est Alphys? Chez elle, au niveau du labo? Ouais, je pense. Au labo, ouais. On va aller au labo. Soit au labo, soit dans la salle de Métaton. Mais on va aller au labo. Le labo, il est facile d'accès en soi. Il est très très facile d'accès. Donc là, on est avant le fait que le boss soit mort. C'est une lampe qui est morte, non? Ah ouais. Elle est en train de rendre l'âme. J'ai fait la technique ancestrale de taper dessus. Tapé dessus, eux sont revenus. Bonne technique ancestrale. J'espère que mes tatons, il est revenu à la vie, tu vois. Tu finiras peut-être pas ce soir par contre. Ah ouais? Moi je croyais qu'on arrivait sur la fin là. Oupsi qui dit en tant qu'électromécanicien, je peux t'affirmer que taper sur des choses les fait parfois marcher. Bah là, je me dis, si j'ai tapé dessus, c'est quoi? C'est une histoire de contact? C'est une histoire de trucs qui se touchent plus? Va falloir l'ouvrir, putain. Ça remet parfois le contact. Bim. Drink. Hey, Undying à l'appareil. La ferme Papyrus, c'était ton idée. Humain, tu dois livrer quelque chose pour moi. S'il te plaît, je suis à Couvenège devant chez Papyrus. A tout de suite, microbe. On va voir qui en premier. Elle? On va aller voir elle. Non, en tapant dessus, tu montes ta dominance à la lampe et du coup, elle s'allume. C'est qui le patron? C'est moi ou c'est pas moi? Le labo, je crois qu'il est en... Allez, je dirais étage droit 1. Ou left... Ouais, non, j'y crois pas. J'y crois moyen. Oh oui, j'y crois moyen. Si je me trompe pas, Undyne te dit d'aller au labo. Ouais, bah, de toute façon... C'est sur la route, hein.
Il est pas là? Ah si, il est là. Pas de réponse. Oh non! Ok, donc je pense que c'est volontaire. On me guide vers Couve-Neige. En avant à Couve-Neige. Le retour du Nico Bateau. Alors c'est pas un écho. Il a raison. Tout à l'heure j'ai dit que c'était un petit chat, mais en fait c'est le chien. C'est le chien qu'on voit depuis le début du jeu. C'est un petit dogo. Yo yo yo. Eh, j'ai quelque chose pour ça. Mais tu transportes beaucoup trop de choses. Oh bon? Ah oui. J'ai une faveur à te demander. J'ai besoin que tu remettes cette lettre au docteur Alphys. Hein? Pourquoi j'y vais pas moi-même? Eh bien, c'est quelque chose d'assez personnel, mais on est amis, alors je vais te le dire. Calcitère, ça craint et j'ai pas envie d'aller là-bas. Donc voilà. Ah. Et si tu la lis, je te tue. Merci infiniment. Tu es si serviable. Merde! Je vais l'aller en plus loin. C'est bon? Oh mon dieu! Je vais t'étriper sur place! C'est bon, je suis assez loin là. Vous essayez d'ouvrir la lettre, mais elle est trop bien fermée. Il vous faudrait une tronçonneuse pour l'ouvrir. Ah non. Et bon, est-ce qu'elle m'en veut? Donc, qu'est-ce que t'attends? Plus vite tu en auras fini avec ça, mais ce sera. Ça va, elle l'a bien pris globalement. Ndaïg a écrit beaucoup de lettres, mais elle n'arrive jamais à trouver les bons mots. Du coup, quand elle les poste elle-même, elle finit toujours par faire demi-tour pour les réécrire. C'est pour ça qu'elle t'a demandé. Parce que tu n'as aucun principe. Ouais. Paladin qui dit, ah oui, par contre, tu termineras pas ce soir. Bah ouais, il est déjà 20h30. Calciteur en avant. Genre pas Virus qui nous dit qu'on a aucun principe alors qu'on est en run full pacifiste, tu vois. Je crois que j'ai beaucoup plus de principes que lui, tu vois. Vieux type. Ce vieux squelette. Ça te donnera l'occasion de chercher le village avec la meilleure musique du jeu. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un village dans les chutes qu'on a loupé. Bon écoutez, on fera ça la prochaine fois, non? Je pense que j'en ai pour quoi ? Quarantaine de minutes ? Pour la fin ? 40-50 minutes à peu près ? 2 jours ? Une heure ? Une heure ? Ok, bon, on fera ça un autre jour. À la cool. À la cool.